bien, bonjour à tous. Je vous propose donc de démarrer cet atelier qui va nous permettre de découvrir des solutions, des astuces, des techniques simples et naturelles donc pour prendre soin de notre mémoire. Et nous avons le grand plaisir aujourd'hui donc d'accueillir Anne Portier. Anne, je vous invite à me rejoindre. Vous êtes la présidente de l'OMNES. Alors, vous allez nous présenter plus en détail à l'organisation de la médecine naturelle et de l'éducation sanitaire. Et vous êtes accompagnée de Maïté Diars. Maïté, je vous en prie. Donc, vous êtes naturopathe et coordinatrice de l'OMNES. Donc, après une présentation, hein, nous aurons bien sûr, comme tout à l'heure, une session assez interactive où vous pourrez poser, merci beaucoup, de nombreuses questions, donc justement sur la manière de mieux entretenir la mémoire de manière naturelle. Donc je vous passe tout de suite la parole. Bonjour à vous et bienvenue dans cet atelier. Donc l'OMNES est une vieille association puisqu'on a 40 ans cette année et ça regroupe des naturopathes. Alors, on a démarré très peu nombreux, bien sûr, en 81, et puis maintenant, on est 1500. Et on n'accueille pas tous les naturopathes diplômés, on accueille que des naturopathes qui ont fait un minimum de 1200-1500 heures et qui acceptent de se former chaque année. Et qui acceptent de... Il y a un code de déontologie, il y a une charte éthique, enfin, il y a tout un tas d'exigences. Donc, on n'accepte que certains naturopathes. Et on est représenté un peu de partout, en France bien sûr. Et on a des actions maintenant humanitaires, sociales également. Et puis on accompagne donc les praticiens aussi dans leurs démarches administratives qui deviennent de plus en plus nombreuses. Donc, bien sûr, la DGCCRF, le RGPD, etc., toutes les exigences de notre époque. Et puis, on cherche à aller toujours de l'avant et à travailler à la reconnaissance. Voilà. On va peut-être commencer tout de suite le jeu. Donc, quand on nous a parlé de la mémoire, on a dit, bon, on va faire un petit jeu, on va faire un memory. Donc, c'est tout nouveau. Et on va voir si c'est adapté ou pas, vous nous direz. Je pense que ça va être très bien. Bien, bon, bonjour à tous. Donc pour déjà prendre soin de sa mémoire, on voudrait vous présenter aujourd'hui trois piliers principaux à considérer dans le prendre soin de soi et prendre soin donc de tout notre système. Donc déjà, le premier pilier concerne l'alimentation, la nutrition, nos habitudes alimentaires. Nous avons référencé donc des sources alimentaires qui permettent de favoriser le fonctionnement du système nerveux et particulièrement de la mémoire pour vous. Donc, nous vous proposons un petit jeu. Alors là, je vais avoir besoin de la technique. Alors, Brie, si vous voulez bien tout retourner, que les personnes puissent voir l'ensemble des cartes. Une première fois, on va vous laisser visionner ces cartes. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Oui? Ok. Donc, Brieux, si vous voulez bien découvrir les cartes, on va vous inviter à mémoriser le positionnement des images. 5 secondes. Là, Brieux... C'était très rapide. Il faudrait qu'on soit très, très fort. Ça... Voilà, donc là... Voilà. Ah, bon. Bon. Alors, bon. Le voilà. Plus longtemps possible, ah. Voilà. Normalement, ça reste jusqu'à ce qu'on rappuie sur le... Mais ça doit être voilà, la technique, parce que ce n'est pas la même interface. Moi, je suis sur PC et ils ont un Mac, donc ça doit être ça qui doit changer un petit peu. Voilà, on va s'adapter. On peut faire un memory, voilà. On oui, à coup de flash. Voilà, à coup de flash. Voilà, encore une fois. Et après, on pourra... Voilà. Est-ce que vous avez vu un petit peu les cartes, non? Encore une fois, allez. Encore une fois. Voilà. Voilà, encore une fois. Allez, bon, on va vous proposer de choisir. Est-ce que vous connaissez le principe du jeu memory? Alors, le jeu memory, c'est très simple. En fait, il s'agit de retrouver les paires. Toutes les cartes sont placées sur cette étale, donc par paire. Et lorsqu'on retourne une carte, il faut retrouver la deuxième carte qui fait la paire. Donc, je vous propose de choisir une première carte à retourner. Est-ce que quelqu'un veut commencer? La deuxième en haut, première ligne, deuxième, ici. Voilà. Avec laquelle vous voulez la mettre? Avec le deuxième rang, la gauche. Ah, mais ça va pas rester figé?
Ça marche pas? Ah, bon. Alors, on peut peut-être vérifier déjà. Oui, on a vu que c'était une noix, donc peut-être la première carte sur la deuxième ligne. Est-ce que c'est une noix? La première carte sur la deuxième ligne? Yes, oui, bravo. Un point pour vous. La troisième? La troisième et la neuvième. Le poisson. Et la neuvième. Et la dernière. La dernière. En bas à droite, la toute dernière. Oui, super. Super. Madame, vous avez une très bonne mémoire visuelle. Bon, très bien. Encore une, et puis après, on va passer à l'explication. Madame, oui, au fond. Allez-y. La 4 et la 6, Brieux. Donc, les œufs, le jaune d'œuf. Bravo. Magnifique. Donc, on vous a demandé de mémoriser de manière stroboscopique. Voilà, ça fonctionne, c'est parfait. Donc, voilà, nous allons vous parler donc, de l'alimentation. Alors, dans l'alimentation, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais l'une des clés principales, déjà, pour toute chose, c'est de bien s'hydrater. Notre corps a besoin d'eau pour bien fonctionner. Alors, même si ce n'est pas un aliment, c'est un constituant essentiel au bon fonctionnement de notre organisme. Alors, première source en fait, alimentaire très importante que nous avons identifiée, ce sont les sources d'oméga 3. Donc, pour ça que nous avions un poisson. Donc, des oméga 3, vous allez pouvoir les trouver dans les poissons gras, harengs, sardines, huîtres, maquereaux, dans des huiles végétales type colza, lin, chanvre, et dans des oléagineux, donc fruits à coque, comme les noisettes, les amandes et la noix, qui est représentée ici. Source d'oméga 3 très importante. Très importante parce que ces corps gras vont participer à la régénération notamment du système nerveux, de nos cellules. Elles vont avoir aussi une action protectrice, anti-inflammatoire, donc pour préserver notre organisme. Comme c'est un constituant essentiel de nos cellules, pour que notre mémoire puisse bien fonctionner, que nos neurones, donc qui sont les cellules du système nerveux, puissent bien fonctionner, nous avons besoin de ces oméga 3. Nous avons aussi les aliments qui sont riches en citicoline. Donc, la citicoline, c'est une molécule. Anne, oui, tu veux nous en dire un mot, spécialiste. La citicoline, il y en a donc dans le jaune d'œuf, dans les poissons gras et dans les noix, dans la levure de bière également. Et la citicoline, c'est un précurseur des phospholipides. Les phospholipides, c'est des graisses phosphorées. En fait, c'est le principal constituant de notre cerveau. Donc, cette citicoline, on en a besoin. Alors, maintenant, il en existe en complément alimentaire, mais déjà... Il y en a dans le jaune d'œuf, la sardine, le hareng, le maquereau, et puis dans les anchois, dans les noix, bien sûr, et dans la levure de bière. Alors, en effet, cette molécule, elle va jouer un rôle de protection et de réparation des fonctions cérébrales. C'est un neuroprotecteur. Et bien sûr, pour les pathologies qui vont être plutôt donc, neurodégénératives, elle va jouer un rôle de soutien. Donc ça, c'est cette molécule-là. Nous avons aussi les aliments qui vont être riches en vitamines. Les vitamines du groupe B, particulièrement les vitamines B1, B6, B9, B12, et la vitamine Q10, et les aliments qui sont riches en flavonoïdes. Donc là, vous avez des images qui représentent, nous avons donc la levure de bière qui est très riche en vitamines du groupe B, nous avons des fruits rouges. Alors les flavonoïdes, c'est pour la paroi des vaisseaux sanguins, ça travaille sur la solidité des parois. Le coenzyme Q10, c'est quelque chose qui... C'est un coenzyme, bien sûr, mais ça permet de retrouver l'énergie dans les muscles, mais aussi dans le cerveau. Le grand consommateur de coenzyme Q10, c'est d'abord les muscles et ensuite le cerveau. Alors, c'est le coenzyme un aspect anti-inflammatoire et ça fait baisser... Bon, c'est compliqué, mais ça fait baisser l'homocystéine qui, elle, n'aide pas pour les maladies cardiovasculaires. Donc, le coenzyme Q10 va protéger et le cœur et le cerveau. Le coenzyme Q10 qui va intervenir au niveau d'un organisme de la mitochondrie au sein de la cellule. Donc, en fait, si vous voulez, le coenzyme Q10, il permet d'avoir aussi une bonne récupération. Alors, également dans l'alimentation, éléments qui sont essentiels, donc les minéraux et les oligo-éléments. Ceux que nous avons relevés principalement pour le bon fonctionnement de la mémoire et du cerveau. Alors, nous avons cité le fer. Alors, le fer, pourquoi ? Surtout pour l'oxygénation, parce que le fer permet donc d'avoir justement une bonne hémoglobine qui va pouvoir porter beaucoup de molécules d'oxygène et acheminer cet oxygène jusqu'au cerveau. Un cerveau qui va manquer d'oxygène ne va pas pouvoir bien fonctionner. Ensuite, vous avez le sélénium, que l'on peut notamment retrouver dans la levure.
Oui, et qui sert à une enzyme qui est antioxydante, anti-vieillissement cellulaire. La protection antioxydante. Le magnésium qu'on connaît beaucoup pour la récupération et qui est souvent réputé pour aider à lutter contre tout ce qui est un petit peu fatigue, stress. Donc ce magnésium, on va notamment le retrouver dans les oléagineux. Oui, et puis il est précurseur aussi des neurotransmetteurs pour être bien dans sa tête. Voilà. L'iode que l'on va retrouver dans les produits de la mer. Oui, et l'iode, c'est vrai que si notre thyroïde manque d'iode, au niveau de la cognition, ça ne sera pas terrible. Il y a beaucoup de gens qui ont une thyroïde normale, entre guillemets, et puis qui manquent d'iode. Alors, peut-être pas ici, encore que, mais il y a beaucoup de personnes qui manquent d'iode et qui ne le savent pas, en fait. Donc, c'est bien de prendre des produits de la mer assez régulièrement. Alors là, on a mis des algues, mais il y a aussi, bien sûr, les coquillages, bien sûr, les fruits de mer, bien sûr, les poissons. Voilà. Et ensuite, nous retrouvons le zinc, qui est un élément aussi essentiel. Alors, le zinc, nous avons montré les huîtres, parce que c'est dans les huîtres qu'on peut trouver beaucoup de zinc. Mais oui, il y a 100 mg de zinc par gramme d'huître, ce qui est énorme. C'est l'aliment qui en consomme le plus, qui en contient le plus. Et le zinc, il travaille aussi au niveau de la neuroprotection. C'est aussi un cofacteur, un protecteur contre le stress oxydatif. Alors, stress oxydatif, c'est quoi en fait? C'est un stress physiologique qui est vécu par nos cellules et qui, au fil du temps, va amoindrir nos capacités, va nous faire nous sentir plus fatigués. Voilà, on peut le ressentir. Enfin, c'est pas forcément ressenti de manière très spécifique, mais le stress plus oxydatif, global. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être global et général. Alors, bien sûr, là, ce sont les éléments qui sont essentiels et conseillés, mais pour être en bonne forme, il faut aussi se tenir à l'écart des éléments qui peuvent perturber ou en tout cas amoindrir nos capacités de mémoire, qui peuvent être néfastes pour notre système nerveux. Donc, là, on repart. Brio n'est pas là. Donc, est-ce que monsieur veut bien... On va essayer de faire la présentation un petit peu. Alors, il faudrait cliquer sur tout retourner ici. Voilà, essayer de bien mémoriser visuellement. Précédent, voilà, il fait plusieurs fois comme tout à l'heure, peut-être, si ça marche. Tout retourner. Non, il veut pas. Oh bon. Là là. Bon. C'est dommage, parce que moi, je l'ai vu très bien marcher, ce... Oui. Bon, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un veut essayer peut-être de venir là, devant nous, avec nous, pour faire volontaire. Un petit memory avec les cartes qui sont là. On peut même prendre deux personnes. Une personne qui... Deux personnes avec le masque, ça madame, pose pas de souci. Madame, je vous vois bien vouloir tenter. Nous avons spécialiste de la mémoire visuelle. Moi, j'avais une petite question. Peut-être qu'il y a une deuxième personne qui veut se joindre à madame. Sur votre première slide, vous parlez d'hydratation, de la nécessité de s'hydrater. Oui. Il faut boire combien d'eau par jour? Alors, qu'il y en a aussi qui vous disent, il y en a suffisamment dans les aliments. Il y en a qui disent 1 litre, 2 litres. En fait, tout dépend du besoin de la personne, tout dépend de son activité. C'est sûr qu'une personne qui va manger beaucoup de légumes, les légumes contiennent beaucoup d'eau, cette eau qui est apportée par les aliments va hydrater aussi le corps. Mais l'idée quand même, c'est quand on part sur le principe de 1 litre et demi par jour, c'est une moyenne. Et puis, si vous mangez très salé, il faut prendre plus d'eau, puisque le sel a besoin d'eau. Ouais. Alors, en médecine chinoise, ils disent qu'on ne filtre bien que 3/4 par jour. D'accord. Mais en été, comme on sue plus, voilà, donc il n'y a pas de règle, non. Alors... en ce qui concerne les conseils, c'est sûr qu'ils sont toujours personnalisés parce que chacun de nous a sa propre habitude de vie. Un sportif, par exemple, va consommer beaucoup plus d'eau qu'une personne qui va être plutôt sédentaire. Voilà. Ne serait-ce que par la ventilation, la transpiration. Mais en gros, si vous vous basez sur 1 litre par jour, on dirait, avec à côté une alimentation qui est quand même riche en végétaux, normalement, les besoins sont couverts. Allez, le memory. Allez-y, madame. Allez-y. Ah, déjà, le sucre. Ah. Le sucre, le sel. Le sucre, le sel. L'aspartame. Un steak frites. Le monoglutamate de sodium et l'alcool. C'est ça? Et l'alcool. Voilà. Donc, vous avez mémorisé les positions? Elles sont à côté.
Oh ben ils sont juste à côté, alors ça va. Ça va. Allez-y. Voilà, c'est bon. L'alcool. Bon, ben, alors, l'alcool. Déjà l'alcool. Je vais passer à la slide suivante. On va respecter là. Allez-y. Donc le sucre, parfait. Le sel, voilà. Oui, ce qui fait partie de notre alimentation. Alors c'est pas l'alcool ou le sucre, c'est trop d'alcool ou trop de sucre, voilà, ou trop de sel. Excès. C'est les excès en fait. Voilà, le glutamate. C'est la dose qui fait le poison, c'est pas le. C'est ça. Voilà. Ah, monsieur vous aide. Voilà, ouais, celui-là. En fait, c'est un hamburger frites. Voilà. Bien. Eh bien, à force, ça va faire toujours un pic d'insuline avec une hypoglycémie secondaire. Et du coup, on va manger toutes les 2h30, que ce soit l'agave, le sucre roux, le miel. En fait, ce qu'il faut, c'est réduire et le prendre une fois par jour. C'est vrai que les sucres, normalement, en chrononutrition, ils sont plutôt conseillés vers 17h ou avant le repas du soir, alors que le matin, c'est plutôt le gras, et à midi, plutôt les protéines. Donc, si on mange des fruits toute la journée, c'est pareil. Enfin, c'est moins pire, parce que le fruit contient d'autres choses. Mais, et puis, il y a des fibres aussi dans le fruit. Mais ça fait que vous serez une hypoglycémie chronique. Et une hypoglycémie chronique, vous allez gliquer vos protéines dans les vaisseaux, et il y aura des problèmes cérébraux, cardiovasculaires, etc. Enfin, pour faire vite. Mais on peut en discuter après, si vous voulez. Voilà. Donc, dans les éléments chimiques ou raffinés, en fait, qui sont, certains sont exhausteurs de goût, nous avons identifié donc le sucre blanc, bien sûr, le sel, le glutamate monosodique, donc que vous voyez avec l'image et les lettres MSG. On le retrouve aussi dans les étiquettes sur les produits alimentaires avec les lettres E620, qui vont de E620 à E625. Il a plusieurs noms, en fait, ce produit. On l'appelle aussi gélatine, levure ajoutée, extrait de levure, huile hydrogénée, tout autant de termes qui sous-entendent la présence de ce produit. Et donc le glutamate, c'est une excitotoxine. En fait, c'est un exhausteur de goût. En fait, on le met pour mettre moins du parfum en question. Un yaourt au chocolat, on va mettre un tout petit peu de chocolat et du glutamate pour qu'il ait un fort goût en chocolat. Et chaque industriel met du glutamate qui est tiré de la betterave à sucre, qui coûte rien. Et du coup, vous aurez des goûts magnifiques, mais vous aurez à chaque fois du glutamate. Ce qui compte, c'est pas le tout petit glutamate d'un aliment, c'est l'effet cocktail. Et du coup, après, ça fait une excitotoxine qui est toxique pour le système nerveux et les yeux. Voilà. Et c'est un produit qui, sur le long terme, peut se révéler allergisant. C'est ce qu'on a appelé le syndrome du restaurant chinois dans les années 80, parce que les gens, dans les restos chinois, ils mettaient beaucoup de glutamate et il y a des gens qui faisaient des chocs pendant le repas chinois. Mais là, parce qu'ils y allaient à la cuillère. Mais quand on regarde toutes les étiquettes dans ce qu'on achète au supermarché, il y en a presque partout. Les fonds de sauce, les chips, les biscuits apéritifs, les yaourts parfumés, les potages, les bouillons cubes, enfin, bien sûr, parce que ça permet de mettre moins de produits, donc forcément. Voilà. Et donc, nous avons aussi représenté par le hamburger et les frites, il n'y a pas de marque, les aliments industriels et graisses transformées saturées. Parce que ces graisses saturées transformées, elles vont générer des problématiques sur le long terme au niveau cardiovasculaire et particulièrement sur la microcirculation et la microcirculation cérébrale. Donc, c'est vrai que notre cerveau, pour bien fonctionner, il a besoin d'avoir une bonne irrigation. Voilà. Bien, chaque cellule est entourée d'un corps gras et autant les oméga-3, les oméga-3 laissent passer les échanges dans les cellules, autant les graisses saturées, elles resserrent les jointures de l'enveloppe cellulaire et elles ne laissent pas passer les nutriments. Donc c'est pas catastrophique de manger des graisses saturées, mais si c'est tous les jours, ça finit par faire un manque d'échanges dans les cellules. Voilà, alors... Pour l'alimentation, nous avons vu certains aliments qui étaient vraiment bénéfiques, d'autres qui étaient à éviter. Nous allons commencer donc avec le deuxième pilier, les conduites quotidiennes bénéfiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les conduites? C'est en fait toutes les habitudes que l'on a dans notre quotidien et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre quotidien justement pour aider et favoriser notre mémoire. Brieux, est-ce que ça va vraiment... Alors, on va tenter Brieux. Entendre Brieux, tout retourner. Bravo. Oui. Il est resté un peu plus longtemps. Alors regardez bien, le temps que ça apparaît. Quelquefois. Voilà.
On va le refaire encore ? Oui, je pense que tu peux le faire plusieurs fois, pour qu'on essaie de mémoriser au maximum toutes les conduites. Encore une fois ? Allez, encore une fois ? Oui, oui. Allez, après on est bon. À nous tous, on va y arriver. Allez-y, quelqu'un se lance. 2 et 4. Bravo. 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 Le 1 et 9. 1 et 9. Madame. Ah. Alors le 1, alors on était, j'avais entendu le 1 avec 1 et 9. On essaye. On essaye. Allez, on essaye. Non. Le 12. 1 et 12 alors. Premier dernier. Ouais, bravo. Mais voilà, nous avons notre championne ici. Alors, 6 et 9 pour madame. Ouais. Bravo. Allez, bravo. Le 9, on s'en souvient. Voilà, tout à fait. Bravo. Super. Allez, une dernière. 3 et 5. 3. 3. Bravo. Très bien. Alors, les conduites quotidiennes. Alors, l'objectif, si vous voulez vraiment favoriser votre mémorisation, il faut solliciter tous vos sens. C'est-à-dire que, en fait, vous allez mobiliser à la fois votre vue, votre toucher, votre ouïe. Il faut vraiment, plus vous utilisez vos sens, plus votre mémoire va pouvoir bien fonctionner. Donc, pour cela, on peut proposer des activités comme de la gym douce, des mouvements croisés. Alors, pour les mouvements croisés, je voudrais vous montrer un petit exercice. Anne, je te passe le micro. Vas-y. Vous m'entendez, là ? Oui. Mais oui. Si on n'a pas d'arthrose des doigts, ça devrait faire. Voilà, si vous avez des douleurs, ne le faites pas surtout. Et ensuite, pour ceux qui peuvent, vous mettez les bras à l'intérieur. Oui, 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 oui. Encore. Un petit peu, encore. Voilà. Et là, vous essayez de bouger l'index droit. Index droit. Voilà. Et en fait, comme nous avons les mains qui sont inversées, le cerveau y réfléchit pour lever le bon doigt. Voilà. Et là, vous faites travailler vos deux cerveaux. Voilà, les deux hémisphères. Alors, au début, les mains se sont c'est normal. Mais voilà, on le fait lentement. Et ensuite, on peut essayer d'aller un petit peu plus vite en faisant des mouvements croisés. Alors après, il y a aussi la marche avec des bâtons. Voilà, tout ce qui va mobiliser le corps de l'air croisé va permettre de solliciter les deux hémisphères. On a aussi des exercices d'entraînement cérébral, c'est ce qu'on voyait notamment avec les puzzles, donc tout ce qui va inviter à faire des petits calculs, des comparaisons, des répétitions. Il existe aussi tout ce qui est activité créative, dessin, peinture, modelage, activité manuelle. On va avoir aussi, très important, on en parlait tout à l'heure avec le fer, la respiration, l'oxygénation du corps. Donc d'avoir des respirations amples, profondes. Alors nous avons une sophrologue avec nous, elle pourrait aussi vous en parler. Mais nous, voilà, cette respiration va permettre de bien oxygéner le cerveau. L'activité va aussi permettre une bonne circulation, une activation des connexions nerveuses et donc un encouragement du processus de mémorisation. Alors, quoi d'autre aussi ?
mettre dans notre vie des moments mémorables, des moments qui nous font envie. Donc créer, voilà, être dans la vie sociale, créer du lien entre nous, nous sommes des êtres relationnels. Avoir des loisirs, mettre de la joie, de la convivialité, de l'amour et la bienveillance dans notre vie. Plus nos expériences sont heureuses et agréables, plus nous allons nous en souvenir. Alors, les désagréables aussi, mais on a plutôt envie de les oublier. Donc l'idée, voilà, c'est de créer du lien, des interactions, entretenir l'envie, la joie. On ancre les bons souvenirs et c'est surtout que voilà, le cerveau va sécréter des hormones, un petit peu du bonheur, des endorphines. Oui ? C'est ça. Exactement. C'est, voilà, de bien vous connecter, d'être en conscience de l'instant présent et quand ce moment est heureux. Tout à l'heure, je vous disais de bien mobiliser vos cinq sens. C'est vrai qu'on pourrait, pour chaque point, insister sur le fait de mobiliser les cinq sens. Donc, quand vous vivez un moment heureux, ben, regardez bien tout ce qu'il y a autour de vous. Écoutez, ressentez. Parce qu'à chaque fois que votre cerveau va être à nouveau en présence d'un des éléments qui était présent dans la scène, vous allez revivre, une part de vous va revivre quelque part ce moment de bonheur, même si c'est inconscient. Notre inconscient va conserver tous ces éléments, parfois à notre insu, mais nos émotions vont s'exprimer en fonction de cette mémoire qui est un petit peu cachée. Donc l'idée, c'est en conscience, dès que vous vivez un moment heureux, essayez, oh, c'est le principe aussi des photos, quand on fait des photos, bon, en ce moment c'est plus le genre selfie, mais quand on fait des photos, c'est justement pour se mémoriser, pour ancrer ce souvenir-là. Merci beaucoup. Le sommeil, j'ai zappé le sommeil. Bah, t'as zappé tous les... Ah oui, pardon. Donc, ce qui est très important aussi, il faut qu'on accélère. Ce qui est très important aussi, donc, nous allons avoir le sommeil, la récupération. Vous avez des activités type méditation. L'idée, c'est de mettre le cerveau un petit peu au repos, parce qu'autant il peut être très actif, mais si à côté, on n'a pas ces phases de récupération, comme pour finalement un sportif, il va avoir sa compétition et après, il a besoin de la récupération, le cerveau peut être fatigué et moins efficace. Donc relaxation, lâcher prise, le fait d'exprimer ses émotions aussi permet de libérer ce qu'on appelle la charge mentale. Voilà, quand on contient ce que l'on ressent, ben notre système nerveux, il va être sursollicité. Et bien sûr, d'introduire dans notre vie au quotidien le principe de s'adapter, le principe de résilience et aussi de pardonner, parce que lorsque voilà, il y a des choses qui nous contrarient, plus on va les garder en nous et si elles tournent en boucle, eh bien forcément notre système nerveux va se fatiguer, va aller vers l'épuisement. Alors les conduites à éviter. On va faire bon, vite. Alors là, on peut peut-être passer le memory. Voilà. Donc là, nous avons référencé des conduites qui peuvent nuire, bien sûr, au fonctionnement du cerveau, de la mémoire. Donc c'est tout ce qui va être l'usage de produits qui vont être addictifs, tabac, alcool, on avait parlé tout à l'heure du sucre, tout ce qui va être psychotrope. Les ondes électromagnétiques, Wi-Fi, ordinateur, téléphone portable, parce que notre cerveau fonctionne, va être sensible aux ondes et aux ondes hertziennes notamment, on le voit surtout pour tout ce qui est accompagnement avec les sons, la sonothérapie, on peut arriver à des étapes, des moments de relaxation grâce aux sons, et c'est vrai que cette sensibilité, il y a des personnes qui sont voilà, particulièrement sensibles à tout ce qui est rayonnement électromagnétique, donc le manque de sommeil, l'hyperactivité, le stress, donc là, on revient sur toutes les techniques de relaxation, de méditation et le fait de contenir ses émotions et refuser le changement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer au quotidien d'écarter de son refuser mode de vie. Refuser le changement, quand on vieillit, c'est vrai que c'est un peu... On a tendance à dire « Ah, mais avant, c'était mieux, etc. » Et en fait, l'adaptation, c'est la seule condition de survie, finalement, de toujours s'adapter au changement de situation. Donc... Pardon ? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. La curiosité, tel un enfant qui découvre le monde, voilà, tout à fait. Alors, des éléments toxiques, alors bien sûr, vous avez les métaux lourds, voilà, mercure, cyanure, plomb, aluminium, et aussi tout ce qui peut être produits toxiques, produits phytosanitaires, produits chimiques, insecticides. Donc c'est vrai, de cette pollution environnementale, si on peut essayer de s'en préserver autant que possible, c'est une bonne chose. Hop.
Alors, les plantes. Nous avons, nous, naturopathes, la connaissance de la phytothérapie, globalement. Et nous sommes amenés parfois à conseiller des plantes pour accompagner les personnes dans leur désir de mieux-être. Alors, on va faire le memory. Voilà. Tu veux qu'on n'a pas le temps de le faire. C'est bon. Voilà. Ah, oui. Parce que c'était le dernier. Donc, ah, c'est le dernier. Alors, hop, je vais revenir là. Une minute. Comme je vois madame qui nous... Brieux, est-ce que ça va fonctionner? Allez. C'est ça. Là, c'est vraiment la mémoire visuelle. Hein. Non, on n'a pas de carottes. Allez. Je vous propose d'en retourner deux, trois, encore une fois. Ou chacun en choisit une. On peut faire ça aussi. On y va? Alors, une personne. 3-10, allez, c'est bien ça, 3-10? C'est du curcuma. 3 et 10, bravo! Alors le curcuma pour le cerveau, c'est pas du tout la curcumine qui est active. La curcumine, elle est anti-inflammatoire pour tout ce qui est douleur, etc. Elle aide le foie à fabriquer des protéines anti-inflammatoires. Alors que pour le cerveau, c'est l'artumérone, c'est la partie aromatique du curcuma. Et cette artumérone, elle travaille sur la prolifération des cellules neurologiques. C'est pour refaire des cellules neurologiques. Donc, ce n'est pas pour la même chose. Le curcuma, là, c'est pour l'artumérone. Pour ce côté production. Et ce n'est pas des extraits de curcumine, du coup. C'est le curcuma... Dans son intégralité, dans la plante dans son totem. Ensuite, une autre. 5-7, j'ai entendu là. 5-7. Ah, on va voir. Et non. Donc 4-5, voyons 4-5. Ouais. Bravo, c'est le ginkgo. C'est le ginkgo biloba, alors ça c'est pas tout le monde connaît, hein. Ça a toujours travaillé sur la microcirculation. C'est même, il y a de multiples études sur le ginkgo biloba qui est utilisé dans les domaines classiques, hein, sous des formes médicamenteuses ou bien sous forme de ginkgo d'extrait de plantes. Allez, une dernière. 6-8, monsieur dit 6-8. La mélisse. Ouais. Bravo. C'est la mélisse. Donc la mélisse, elle est précurseur de l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est le premier neurotransmetteur qui a été étudié. Et l'acétylcholine travaille sur, notamment, la mémoire, l'influx nerveux et concentration mémoire. Voilà. Alors là, nous avons d'autres plantes aussi. Donc là, il y a l'ail des ours qui va agir alors, notamment. Là, il y a l'ail des ours, bien sûr. Sur la microcirculation. La renouée du Japon qui va être active grâce au resvératrol. Alors, le resvératrol, c'est un polyphénol qui est très riche pour la mémoire. Et la renouée du Japon, c'est une plante, enfin, c'est la racine, c'est une plante qui en contient énormément. Et d'ailleurs, les agriculteurs n'en peuvent plus de la renouée qui pousse et qui envahit tout et qui ne coûte rien, du coup. Et par contre, on peut prendre les extraits de racines pour des compléments alimentaires. Voilà, donc il y a aussi un champignon, l'Erythium erinaceus. Alors l'Erythium, il travaille sur le nervous growing factor, donc il aide les neurones à pousser. Voilà. On l'utilise pour des maladies neurodégénératives et puis pour la concentration et la mémoire. Donc nous avons la sauge qui va être modulatrice pour l'acétylcholine, le ginkgo, on en a parlé, le curcuma, le thé vert avec la théanine et le ginseng qui va avoir donc une action vasodilatatrice. C'est un régulateur de la dopamine, noradrénaline, acétylcholine, bref, des neurotransmetteurs. Alors surtout, notre message, c'est dès lors qu'il est question de plantes et de phytothérapie, toujours demander conseil à un professionnel. Parce qu'il y a certaines plantes qui peuvent avoir des interactions, une toxicité ou des interactions avec des médicaments. Donc ne jamais s'improviser. Alors, vous avez le pharmacien, médecin, naturopathe. Par exemple, si vous êtes sous anticoagulant, on n'a pas le droit de vous donner du ginkgo parce que le ginkgo est fluidifiant. Vous voyez, il y a le curcuma aussi, d'ailleurs. Donc, il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Voilà. Donc là, c'est pour vous présenter aussi des solutions possibles, mais bien sûr, toujours sous condition d'un conseil d'un professionnel expérimenté. Alors, ce n'est pas complémentaire, c'est un peu plus fort. Ce qui est pratique dans la nature, c'est que l'ail, moi je suis dans une région productrice, je suis dans la Drôme, et du coup, on le récolte en juillet, en juin-juillet, donc il est tout frais, on l'étale sur les tartines, etc. Après, il se solidifie, il devient de plus en plus fort. Et quand il n'y a plus d'ail, alors maintenant, il y a des systèmes pour sécher différemment, mais quand il n'y a plus d'ail, il y a l'ail des ours qui pousse au printemps, donc en mars-avril,
et qui se récolte directement, qui fait la transition entre les... qui fait la soudure. Mais c'est la même chose. C'est une question de saisonnalité, finalement. C'est pas le même goût. C'est pas le même goût. Moi, je trouve que l'ail des ours, c'est plus... il est moins fort, parce qu'on fait des pestos avec, mais il a plus de, il a plus d'incidence au niveau cerveau. Alors, sur l'ail des ours, il faut voir aussi, donc on va consommer les feuilles, donc il va y avoir la chlorophylle avec, il y a plein d'autres éléments qu'on ne va pas retrouver dans le bulbe d'ail. Voilà, il y a, mais ça ressemble au muguet, donc il faut faire attention quand on le cueille, il faut bien connaître, parce qu'il ne faut pas se tromper, parce que le muguet est toxique, par contre. Mais on le sent tout de suite, hein, ça sent l'ail. Donc, voilà. Voilà, au centre, on va prendre quelques questions. Enfin, je rappelle, hein, vous nous avez indiqué également comment vous joindre. Donc, le site internet, le téléphone et même une adresse mail. Donc, merci beaucoup d'abord pour cette présentation très complète. On peut vous applaudir. Merci. Et j'imagine que vous avez des questions. Oui, madame. Ah, voilà. Tout à fait. Alors, le curcuma, il existe sous différentes formes. Il y a même du jus de curcuma. Donc, combien est-ce qu'on doit en consommer pour que ce soit efficace? En fait, on s'est aperçu pour le curcuma. Bon, en Inde, on en prend tous les jours dans les plats, bien sûr. Mais on s'est aperçu qu'il y avait un produit qui servait à multiplier par 10 ou par 20 ce qu'on mettait dedans. C'est le miel. À condition que le miel ait toutes ses enzymes. Pour que le miel ait ses enzymes, il ne faut pas qu'il ait été chauffé pour sa conservation. Donc, il faut être sûr de la provenance. Et un miel liquide. Donc, normalement, un miel liquide qui reste liquide toute l'année, c'est châtaignier ou acacia, c'est tout. Et on mélange du curcuma dedans, on met une cuillerée à soupe pour 25 grammes de curcuma. Et on mélange ça dans du miel, enfin, on fait tout, ça s'appelle un mélite. Et ça permet de multiplier par 10 ou par 20 l'efficacité. Et on prend une cuillère à café en dessert de curcuma et on le mastique bien. Et il y a une action, antidouleur qui arrive au bout de 10 jours, mais il y a une action qui a... Oui, parce que en fait, le curcuma, il permet au foie de refabriquer des protéines anti-inflammatoires. Donc, ça agit pas tout de suite. Mais quand ça agit, au bout de 10 jours, ça agit très bien. Et ça agit aussi sur la mémoire, puisque la turmérone, elle est dans le principe, dans la poudre. Voilà. Donc, les mélites, normalement, si vous prenez un pot de 500 grammes, vide, vous mettez 250 g de miel, donc sans être obligé de mesurer, vous versez, c'est la moitié, et vous mettez 10 cuillères à soupe de curcuma, de cuillère à soupe rase, vous mélangez bien, et ensuite vous prenez une petite cuillère à café deux fois par jour. Et ça, c'est une des manières de faire qui coûte rien, finalement. Enfin, qui coûte le pot de miel. C'est le plus naturel. Mais avant, la pharmacopée, on allait aux Indes chercher des épices. C'est d'ailleurs pour ça que Christophe Colomb s'est trompé de continent. Hein. Et on gardait les épices dans du miel. C'était la pharmacopée. Et on armait des navires. Ça coûtait très très cher d'aller chercher les épices aux Indes. C'était la pharmacopée de l'époque. Mais ça permettait de conserver. Donc, oui, même question pas. Pour le ginkgo, quel dosage, quelle forme? Ça dépend du... Et si comment c'est on l'évalue, sec. Ce besoin? On l'évalue avec un professionnel, ce besoin? Oui, que vous recommandez? Déjà, à partir du moment où on a un besoin, c'est qu'il y a besoin de rééquilibrer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on voudrait, et donc en effet, l'idéal, c'est quand même de prendre conseil. Tout à fait. Anne, c'est vous vrai que le ginkgo et le curcuma se donnent souvent ensemble. Alors moi, je le donne en extrait de plantes fraîches, en pharmacie, parce que les plantes fraîches, c'est toujours mieux que les plantes sèches en gélules, c'est sûr. Parce que les plantes en gélules, souvent, on dit « Oh, ça ne marche pas, la phytothérapie, ça ne marche pas ». Ben oui, parce que souvent, en gélules, on perd de l'efficacité. Alors qu'en extrait de plantes fraîches, on le sent tout de suite. Madame ? Alors, est-ce qu'il faut... Ah non, alors c'est fini. Alors, c'était la grande mode. C'était la grande mode. Et c'est plus... Alors, il y a des tas de spécialistes qui sont... Moi, ça me faisait bizarre parce que j'ai été en Inde plusieurs fois et on ne mettait pas du poivre avec le curcuma. Donc, j'étais étonnée. Et en fait, il se trouve que le curcuma, il accélérerait la perméabilité de l'intestin grêle. Donc, maintenant, ils ne mettent plus de poivre. Ils ne mettent plus de pépérine avec la curcumine. C'est plus à la mode. Voilà. Autre question.
Moi, je dirais tout dépend de votre rythme de vie. Ouais. Si vous avez une vie tranquille, sereine, vous faites de la méditation tous les jours, voilà, une vie physiologique, pas spécialement besoin de compléments. Maintenant, après, si vous avez une activité qui va au-delà de ce que peut, bien sûr, gérer votre corps va avoir besoin de soutien. Voilà, l'alimentation, elle est toujours adaptée au mode de vie. Et à un mode de vie exceptionnel, alimentation exceptionnelle. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de magnésium dans les oléagineux. Oui. Il n'y a pas que le chocolat. Mais moi, je retiens que le chocolat. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Et quand est-ce qu'on sait qu'on manque de magnésium ? On ressent des symptômes ? On a des spasmes. Ou, voilà. On a des battements de paupières. On a envie de grignoter tout le temps. Parce que c'est un précurseur de la sérotonine, le magnésium. Mm-hmm. Du coup, on n'est pas bien, quoi. On est énervé et fatigué en même temps. Irritable. Mm-hmm. Voilà. Ben, ça dépend ce qu'on prend. Vous savez, on a beaucoup fait... Pareil, il y a une mode du magnésium marin. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que finalement, il fallait soit du glycérophosphate, soit du bisglycinate. C'était la meilleure forme pour le C'est une question d'assimilation, en fait. Voilà. Mais moi, j'ai appris aussi qu'on pouvait prendre le magnésium sous la langue pendant 2 minutes, des petites ampoules d'oligo-éléments, que ça marchait aussi. On a une très forte absorption en sublingual, justement, avec les petits capillaires là, donc, en fait, qui sont sous la langue. Ça peut aussi. Il y a des modes, favoriser. Voilà. Alors, c'était justement une question que je vous avais posée quand on s'est parlé la première fois sur ces modes. Donc, où est-ce qu'on peut avoir une information réellement fiable ? Et parce que j'imagine aussi qu'il y a des fake news qui circulent régulièrement sur des régimes, sur des aliments qui seraient exceptionnels pour la mémoire. On lit beaucoup de choses, prévenir Alzheimer avec telle huile, avec le coco. Mais en fait, on ne peut pas prévenir Alzheimer avec une huile. C'est plutôt mais quand donc, on a vu beaucoup de choses là. Où on trouve de l'information fiable sur votre site ou... Ah non, parce que nous ne sommes pas un organisme formation. Mais donc, nous, on a une formation en école et après, comme tout le monde, on a des labos qui viennent nous voir et il faut toujours savoir prendre du recul. Ça, on l'apprend. En école. En tant que naturopathe. Oui, voilà. On a du recul et il ne faut surtout pas plonger dans tout ce qu'on nous dit. Mm-hmm. Moi qui ai vécu, qui étais infirmière avant, je vois bien ce que c'était quand tel labo passait, qu'après tous les malades du service avaient le même produit. Voilà. Donc il faut avoir un esprit critique. Il ne faut pas se jeter dans le dernier produit à la mode. Mais ça, c'est compliqué. On vit dans un monde où tout fonctionne avec la com. Oui. Et puis, il n'y a qu'à voir en ce moment. Ce qu'on a voulu vous présenter aussi, c'était que, en fait, c'est une question de globalité. Oui. C'est qu'il n'existe pas un remède miracle, mais plein de petites choses que vous pouvez mettre ensemble bout à bout dans votre quotidien qui vont faire basculer finalement vers du mieux-être. En fait, notre état de bien-être, de santé, va dépendre de tout un tas de facteurs. Et l'idée, c'est d'agir sur ces différents facteurs. Ce n'est pas une chose qui va tout solutionner. Et puis, on peut chercher des sources sur Internet. Il y a des sources plus ou moins fiables, plus ou moins valables. Oui, des sites même officiels, gouvernementaux. Enfin, voilà, bien sûr. Sur l'aluminium, par exemple, on sait que ça a un effet délétère sur le cerveau. Il y a des centaines d'études qui ont été publiées depuis longtemps, puisqu'on sait depuis 1920 qu'il y a des problèmes. Mais après, aujourd'hui, ce qu'on peut voir aussi, pour répondre à la question du grand public, quand on est en quête d'informations, vous avez des professionnels, maintenant, le plus souvent, qui tiennent des blogs ou qui vont écrire des articles, etc. Et c'est des professionnels qui reçoivent en consultation. Donc déjà, quand vous êtes intéressé sur un sujet, vous pouvez aller sur les sites des professionnels, regarder s'ils ont un blog ou pas, voir comment ils communiquent, quitte à les appeler, poser des questions aussi avant de prendre un rendez-vous. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Mais l'idée, voilà, c'est d'aller par vous-même chercher l'info, comparer et poser des questions. Vraiment, n'hésitez pas à solliciter les professionnels, même les pharmaciens, ils vont pouvoir vous conseiller en officine, ce qui n'implique pas forcément une consultation. Ils sont formés pour ça, ils peuvent vous conseiller. Donc sans aller voir un médecin ou un naturopathe, on peut déjà solliciter un pharmacien pour des premiers conseils, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a une autre, peut-être une dernière question ? Sur les produits ? Thank you.
faut lire effectivement, les étiquettes. Comment on se retrouve hein, face à la multiplication de l'offre. Des chartes éthiques aussi, du commerce soit équitable, soit local, des producteurs locaux. Il faut, parce que Naturalia, Bio, c'est bon, tout ça, c'est devenu des chaînes. Donc après, il y a aussi des enjeux commerciaux, mais il faut regarder les étiquettes. Il faut... De toute façon, qu'est-ce qui a fait venir aussi toute la bio, que ce soit en France ou en Europe ? C'est parce que les gens ont demandé. Oui. Et qui se sont posé des questions, qui ont commencé à se renseigner. Alors après, ouais. L'offre commerciale, elle est là toujours plus grande, mais il faut rester vigilant, toujours. Ouais. Toujours. On revient finalement, à la notion de curiosité. Voilà, cette notion de curiosité. Donc, pour entraîner votre mémoire, regardez les étiquettes. Merci. Une dernière question. Alors, une peut-être, mais avec une réponse assez courte. Mais quand on a des problèmes de mémoire, enfin, quand est-ce qu'on a des problèmes de mémoire, plus exactement, et quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Et est-ce que le fait de suivre tout ce que vous nous avez présenté peut quand même aider à récupérer, entre guillemets, un peu de cette mémoire perdue? Mais en fait, perdue. Il ne faut pas attendre que ça baisse. Voilà. Normalement, il faudrait, entre 50 et 60 ans, commencer à bien... Voilà, parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard. C'est plus difficile. C'est ça, mais quand même. ceci dit, excusez-moi, oui, je vous en prie. Mais dans des EHPAD, je suis en train de former du personnel en EHPAD, là. Ils ont donné de la vitamine B12 à tous les résidents, et c'est incroyable au niveau mémoire ce qui est ressorti. Il y a une amélioration. Il y avait une étude de fait, le médecin coordinateur a prescrit de la B12, ils ont fait des dosages, effectivement, et ce n'était pas assimilé. Ils ont donné de la méthyl B12 en perlingual, incroyable. Oui. Très bien. Mais bon, donc il y a parfois des améliorations. Hein. Le top 5 des meilleures plantes pour préserver sa mémoire. Bah les plantes qu'on a vues là, c'est un peu les plantes de la mémoire. On en rappelle quelques-unes. Donc, il y avait le curcuma, ginkgo, la mélisse, le curcuma. Le thé vert. L'huile de lin. Le lin, le chanvre. La sauge, le ginseng. Alors après, pour les plantes, il ne faut jamais tout le temps faire avec des fenêtres, il faut changer. Parce qu'une plante, quand on la prend tout le temps, à part le ginkgo, ou l'aubépine, mais sinon, les plantes, si on ne change pas, ou si on ne fait pas des fenêtres, ça ne marche plus. Il y a un phénomène d'accoutumance. En fait. Voilà. Le corps s'habitue à la molécule, et du coup, la molécule perd de son... Il faut surprendre le corps. Voilà. Il faut alterner. Merci en tout cas. Super, ben c'est nous qui vous remercions, on vous applaudit encore, parce que c'était passionnant. Merci beaucoup. Et donc, le prochain atelier aura pour terme merci l'art la de sanglier avec le docteur Lemoine. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous à 15h15.